petite ambiance, c'est vrai, pour Rocket League qui arrive enfin. Je sais que c'était attendu par pas mal de gens, et bien aujourd'hui, c'est le tournoi Rocket League qui arrive et qui fait évidemment très plaisir. Et j'ai les infos, voilà, je vous le dis, j'ai toutes les infos, je vais pouvoir les redonner, mais surtout je vais laisser nos casteurs, nos magnifiques casteurs du jour, eh bien, nous commenter tout ça, nous expliquer tout ce qu'on va voir. Ils sont beaux, ils sont magnifiques et surtout ils sont prêts, j'espère. Bien sûr. Oui. Prony, ONU, bonjour, bienvenue sur cette grande scène du VJP. Et... Bon, vous y êtes depuis ce matin sur la petite scène pour avoir suivi quasiment l'intégralité du tournoi. Ouais. Là, vous nous rejoignez pour cette grande finale. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Est-ce qu'il y a eu du bon niveau? Est-ce qu'il y a eu des belles surprises? Est-ce que c'est une belle finale à laquelle on va assister? Gamebar est une belle surprise parce qu'ils n'ont pas forcément fini au top de leur pool. Terker, rien de surprenant. Ils étaient vraiment bons tout le long du tournoi. Promenade de santé pour eux. Ouais. À part la finale quand même, la finale winner qui a été très très disputée face à Coubertin, qui a été quand même un match très très compliqué pour eux. Ils ont bien démarré, puis Coubertin est repassé devant, ça a été complexe. Mais Gamebar, peut-être la surprise finalement de ouais, tournoi. On peut s'attendre. On peut s'attendre, effectivement, puis Rocket League, ça va très vite, hein. 5 minutes, on se recrute en mort, et c'est ça aussi qui est beau dans ce jeu, quoi. On peut vite attendre des belles surprises. Surtout que là, il y a une équipe qui a une manche d'avance, quoi. Ça peut aller encore plus vite. Exactement. Et oui, on va parler rapidement de ce petit format BO5 pour cette finale. Et donc, comme il y avait un système de winner et de loser bracket, une game d'avance pour Terker. Donc, qui est à 1-0 dans ce VO5. Exactement. Mais c'est donc encore rattrapable, évidemment. Alors d'ailleurs, regardez, je les ai mises. On me censure, c'est bon. Voilà, les petites médailles pour nos gagnants, évidemment, du tournoi Rocket League. Elles sont belles, moi, je trouve, cette année, ces petites médailles. Ouais. Elles sont magnifiques. Sont jolies, hein. Donc voilà, magnifique. Je fais mannequin de médailles, évidemment. Et puis c'est à l'effigie du tournoi et tout, en plus, hein. Exactement. Vous allez mettre d'autres logos. Bah oui. Écoutez, messieurs, est-ce que de votre côté c'est tout bon? On est bon, les toujours joueurs sont prêts. Dans ce cas, je vous laisse lancer cette finale. Très bien. Très bien, très bien. On va commencer cette finale. On le rappelle, c'est en BO5. Une manche d'avance pour l'équipe Terker, hein, puisqu'ils n'ont perdu aucun match, hein, tout simplement. C'est ça. Contrairement à leurs adversaires. Alors, ce n'est pas Clash Royale. Petit trèfle à toi. Mais démarrer ta carrière de Terker sur Clash Royale. Effectivement. Je viens de là, effectivement. Mais ce n'est pas Clash Royale. C'est bel et bien Rocket League, les amis, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Contrairement à ce qui est affiché. On est parti, mon cher Prony. Allez, on est parti, hein, directement. On rappelle que les Terker, du coup, qui jouent en bleu, ont une manche d'avance ici. Et c'est les Gamebar qui vont devoir remonter un petit peu dans ce BO. Attention à ce miss ici, Bulker, qui a quasiment l'open de disponible. Malheureusement, ce sera manqué de son côté. On n'arrivera pas à saisir l'opportunité. La reprise du côté de Terence. Ça va dropper devant les cages. Faut pas paniquer côté orange, mais très très bon dégagement là. Et oui, donc ce n'est pas voiture 50 contre Trust My Golem. Hein. Il n'y a pas 2-0 et tout. L'overlay, bien entendu, hein, comment expliquer. Ça va être réglé, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Avec Bulker, qui a tenté de la reprendre, 0 de boost, c'est bien là pour le challenge du côté orange. Ça va être Terence à la récupération face à Lulu, très solide ici, mais attention quand même. On la récupère du côté de Lulu, le turn est bon, on n'a plus de boost et c'est bien récupéré par Bulker. La reprise du côté de Lulu, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la double snitch? C'est bien dégagé du côté de Terence. Récupération côté orange, le contrôle est plutôt bon ici, est-ce qu'on va pouvoir se relancer? On reprend, on maintient la pression. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire là, hein, du côté de cette équipe orange. La petite passe qui est un peu courte, mais on n'a pas de backup, pas de démolition récupérée. Pour le moment, 0-0, le score ne bouge pas tant que ça, mon cher Onu. Allez, Terence qui continue, il tente à point de dribble, mais Triman arrêté par le jeu orange. On laisse avec un centre réplique avec Booker qui va tenter de la remettre, mais il se fait complètement outfit par Lulu qui va tenter le deuxième touch sans succès, malheureusement bien récupéré par Terence. Mais le compte qui est déjà présent du côté orange, et c'est un open net pour Lulu qui ouvre le score pour cette équipe orange, les amis, après une minute. Et 17 secondes de jeu, quel plaisir. On a un open net sur la belle passe de Jackie qui a pris un très bon 50 et 1-0 pour cette équipe orange. Et on semble bien partir en tout cas. Ouais, très très clean honnêtement ce qui vient de passer là justement. On va pouvoir se relancer avec Terence sur le côté gauche. Cette équipe, on rappelle, hein, cette équipe bleue qui a une manche d'avance. La bonne reprise là sans doute du côté de cher Lulu. Le bon flic qui va passer un premier joueur, Jackie qui reste en défense. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de cette relance pour amener une contre-attaque? Terence qui va venir se battre, mais il va rater le ballon, toucher le joueur. Mais ça ne sera pas suffisant. La frappe au deuxième poteau, c'est bien lobé dans la lucarne. Malheureusement, ce sera manqué. C'est le poteau qui va empêcher de prendre ce break du côté orange. Ah, c'est dommage, effectivement, avec lui qui a tenté un bon petit compte là. On va être patient, très patient, puisqu'on s'est fait un peu peur tout seul là, du côté bleu avec Terence.
qui la reprend pour une double tape peut-être à venir. Dommage. C'était bien tenté, mais attention à Bonpierre. Attention à Boulker, pardon, qui sera déjà là pour la reprendre du côté bleu. L'égalisation, mon japonais. Ouais, très clean hein, là-dessus, la mauvaise relance. Et Boulker qui campait hein, justement sur ce midi, il attendait cette mauvaise relance. Ah, il l'avait vu. Hein. Il l'avait clairement vu. Très patient. Un partout, 3 minutes 05. Tout à l'heure, hein, justement, cette équipe de Terquer qui avait eu beaucoup de mal à se défaire hein, des Coubertin e-sport. Et ça pourrait peut-être recommencer avec les Game Bar ici. Très belle tentative de forcing de la part de Jack qui malheureusement ça sera pas tant que ça à son avantage. Lulu qui va la renvoyer dans la surface de réparation. On va dégager loin devant pour se donner un peu d'air. On a un joueur qui n'a pas du tout de boost pour indication. Si vous vous demandez ce que c'est que les petites bulles à côté des pseudos des joueurs au-dessus de leur voiture, c'est tout simplement leur boost, où ils en sont en termes de ressources. C'est une mise à jour très récente. Rocket League a une mise à jour assez intéressante. Il faut savoir que nous, on voit tous les boosts de tout le monde, les joueurs ne voient que ceux de leur équipe. Et oui, c'est surtout facile hein, sinon. Hein. Effectivement, ça. Avec Lulu qui est là à la récupération, enfin, contré plutôt par Boulker. Jackie qui tente, le petit solo play, c'est bien effectué, mais très bien lu par Terence. Et c'est un open net, mon cher Prodi. Terence qui a très bien lu et qui a bien profité de cette lecture pour aller marquer. Malheureusement, on n'était pas très bien positionné du côté orange. On a tenté de récupérer la passe, mais c'était un positionnement assez ambitieux. C'est vraiment très pile ou face. Malheureusement, on n'a plus personne pour aller back up. Et on revient au score, pardon, du côté des Terquer. On mène 2-1 maintenant. Ah, les Terquer qui passent devant, et les Game Bar du coup qui vont devoir se reprendre, puisque faut rappeler que si les Terquer gagnent cette game, ils sont en 2-0 dans le BO, ça peut aller extrêmement vite. La récupération de la part de Jackie qui essaie de se relancer là-dessus, le bon cut, ça va filer dans la lucarne, le rebond, mais c'est juste au-dessus. Et le rythme de Lulu qui reste impéré là-dessus, la récupération de la part de Terence qui va filer dans le corner, on va essayer de la remettre dans l'axe, la bonne démolition, mais ça ne suffira pas à créer suffisamment d'espace pour prendre un break. Et on gagne du temps encore une fois du côté de Boulker qui va la mettre dans le corner, le bon fake challenge qui va permettre quand même de se relancer là cette équipe des Game Bar qui reste en difficulté avec un but de retard. Il reste 2 bonnes minutes, attention à ce miss, mais heureusement que son coéquipier est bien présent derrière. Ouais, heureusement là on s'en sort un petit peu miraculeusement, mais le tir de Jackie qui est très bien arrêté par Terence. Lulu qui a tenté, 0 de boost, ah, c'est pas mal, mais heureusement qu'on aura Boulker là du côté bleu. Terence qui se loupe complètement, c'est complètement open, mais on se loupe, on loupe également l'open. Le but c'est quand même de toucher la balle, s'il vous plaît. C'est dommage, on avait tous les deux des belles occasions, mais on s'est tous les deux loupés, mon cher Pony. Ah, la pression de la finale peut-être. Terence qui n'arrivera pas à prendre un reset là-dessus. Dégagement de la part de Lulu, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le débreak? Mais non, toujours pas, hein. On garde la pression. Boulker dans les airs, il n'aura pas eu de reset là-dessus. Jackie va la rendre, j'ai l'impression, sur son vis-à-vis, mais excellent challenge. Allez. Ça va dropper devant les cages, c'est quasiment un open, mais le retour défensif est impérial du côté de Terence, alors qu'on va entamer la dernière minute de jeu. Et cette équipe pour l'instant, c'est open. Terquer qui va peut-être saisir un open, c'est une parfois, ça c'est bien défendu, la récupération, la frappe, et c'est choqué, c'est tout droit pour l'égalisation, c'est Lulu, c'est maintenant l'égalisation de partout. Et oui, on égalise, mon cher Prodi, à 53 secondes de la fin, ça y est, on colle au score pour ces Game Bar, on le rappelle, hein. Terquer gagne déjà 1-0. Dans le UO5 effectivement, comme ils ont tout simplement pas perdu une seule game. Et donc ça y est, on revient au score pour les Game Bar pour tenter d'égaliser dans ce UO5. 50 secondes encore à jouer. Yes, 50 secondes encore à jouer, et il va falloir faire beaucoup. Cette équipe de Terquer qui doit s'en vouloir un petit peu d'avoir laissé passer cette opportunité ici. Allez, Terence justement, Terence peut-être sur le fake, le flic est parfait. C'est un petit peu son setup favori hein, durant les phases de boules. Les patterns, hein, clairement, c'est quelque chose qu'il maîtrise vraiment bien ici. Et lui, malheureusement, qu'il n'a pas de boost. On va la rendre du côté de Boulker, 30 secondes, et on va se diriger peut-être vers un overtime. Il n'y a pas d'égalité, dans Rocket League. C'est forcément une prolongation avec but en or. La reprise de la part de Lulu, la frappe est cadrée, premier poteau, la lucarne, mais quelle lecture de Boulker qui ne se fera pas surprendre ici par ce tir manqué. La reprise de la part de Jackie, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le centre, le dégagement qui est complètement manqué. On va réussir à reprendre la balle, ça va rester dans les roues de Lulu. La reprise de notre cher Terence. Terence, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher un coéquipier, mais ça va être dégagé tout de suite sur un peu plus court. Terence qui force, attention à cette balle, elle va dropper. 2 secondes, il faut la mettre au sol, c'est un overtime qui se dirige vers nous. Ça va être overtime, et c'est fait overtime, mon cher Onu. Si les Terquer marquent un but, c'est 2-0 dans le BO5. On s'est fait très très peur, effectivement. Là, s'ils marquent un but, cette équipe bleue, c'est 2-0 dans le BO5. On aura la balle de match. Attention à Terence, peut-être qui va louper le cadre. Malheureusement, c'est dommage, j'ai eu l'opportunité. Mais Boulker qui va tenter encore une fois avec Jackie au dégagement. La balle qui va droit, pense à Faber, c'est bien joué, mais on se loupe complètement. Attention à Terence qui va se repositionner derrière Boulker. On va essayer de la reprendre tranquillement parce que là, il faut s'en sortir. Hein. On est complètement sous pression. Et Terence qui a tenté un petit solo play, c'est pas très concluant, malheureusement. Heureusement qu'on aura Jackie qui sera là pour le dégagement. Ouais, le contrôle qui a été un petit peu raté là-dessus, la bonne reprise en aérienne. Est-ce qu'on va pouvoir y aller avec Lulu, le reset? Attention, le double commit! Est-ce qu'on va pouvoir punir du côté de Terence? Malheureusement, on n'a pas de ressources. C'est dommage, avec un peu de boost, on aurait peut-être pu faire quelque chose. On s'est précipité pour revenir en défense.
sans prendre forcément de ressources derrière. La bonne récupération du côté d'équipe bleue, allez les Terquer, ils peuvent peut-être le faire ici sur cette situation. Mais c'est Lulu qui va pouvoir se relancer. Est-ce qu'il va pouvoir traverser tout le terrain tel le Concorde? Il a décollé, il y va tout seul, il va jouer un challenge, c'est bien négocié. La balle qui va revenir sur le backboard de cette équipe bleue ici. Et pour le moment, pas de danger, la double démo, c'est un 1v1 qui va être en danger. Mais c'est Terence, le meilleur joueur de 1v1 de cette équipe bleue. Le challenge qui est bien négocié, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une frappe ici? Mais non, Terence qui a le temps de la jouer. Allez Terence sur Bulger, c'est pas mal, mais c'est un petit peu fébrile là, sans problème pour Jackie qui va laisser tranquillement à Lulu pour le boss setup, mais déjà challenge pour son adversaire du bleu. Attention ici, on loupe le 4, c'est dommage, une belle opportunité. Oh, c'est Bulger qui va sauver les pots cassés, mon cher Pony. C'est Bulger qui va récupérer la belle tentative de son collègue Terence et qui va gagner cette game bleue. Côté bleu des Terquer qui est déjà en 2-0 dans ce deuxième. Ouais, la relance de Jackie qui a raté un petit peu, hein, qui coûte très très cher, mais son coéquipier Lulu qui panique un petit peu sur le challenge et qui se fait immédiatement punir. Et oui. C'est dommage. Et les Terquer qui j'y ai vraiment cru, hein, du côté des Game Bar qu'on allait prendre cette game, qui là sont déjà en balle de match pour gagner la finale de cette de ce Verdun Joystick Player 2024. Très gros tournoi des Terquer qui pourrait s'en sortir. Avec quasiment un clean sheet en finale, hein. 3-0, 7 oui. sans bavure. On y est presque, les Terquer qui n'ont plus que 5 minutes pour marquer plus que leur adversaire et gagner cette game. Et on est parti, les amis, l'heure de vérité, c'est maintenant avec Jackie qui s'en déjà pour le côté orange, pas dépendant sur le play, dommage. C'était pas concluant, mais en tout cas, on met déjà une belle pression des quelques secondes de jeu avec Jackie. Pour le dégagement, bien trouvé, ça a amorti là-bas, il a bien raison, comme ça, le seul temps, tranquillement à son collègue de la reprendre avec lui. Encore une fois, pour un beau petit, c'est pas mal, mais c'est bien arrêté par le défenseur. C'est open, c'est tout droit, c'est dedans, le double commit qui est immédiatement puni. Le deuxième rideau défensif, malheureusement, qui rend le ballon sur le deuxième rideau offensif. Et comme on est en 2v2, c'est puni immédiatement. Très très belle présence d'esprit de la part de Jack qui, sans ressources, ne ratera pas son cadre ici. Beau sang-froid honnêtement, on panique pas, on assure, on ajuste le tir. Mais on va chercher l'avantage, 1-0, 4 minutes 36 encore à jouer, c'est loin d'être fait pour les... Pour cette équipe des Game Bar, qui doit encore remonter deux games. Attention à Booker, la frappe sous la barre transversale. Mais quelle défense ici, du côté de Lulu. Allez, ça va être repris tranquillement, là, du côté orange, avec Lulu, encore une fois, face à Booker, c'est pas mal, mais Booker, très solide ici. Par contre, on est solide aussi pour l'agression que vient de nous faire notre cher Jackie National sur la passe de Lulu. Oh, c'est bien effectué parce qu'il est bien positionné, mon cher Pony. Il avait un temps d'avance, hein. Il avait lu sur la défense bleue. Il avait clairement lu ce move, hein. Il l'avait vu arriver, hein, cette relance trop courte. Et immédiatement, on vient la punir. C'est quelque chose qui coûte cher, hein, depuis le début de la compétition. Les relances un peu trop mauvaises avec des joueurs qui attendent en embuscade l'erreur. C'est quelque chose qui se paye cash immédiatement. La bonne récupération là du côté des joueurs bleus au niveau du midfield. Mais là, encore une fois, on trouve une passe à l'opposé. Est-ce qu'on va pouvoir être premier? Du côté de Jackie, c'est fait. Est-ce qu'il va aller chercher une démolition? On va chercher le joueur backboard, mais c'était pas lui le problème défensif ici. Et cette équipe de Game Bar qui a deux buts d'avance, ça risque d'être plus que difficile pour les Terquer de repasser devant. Attention, la transition, on va la chercher. Est-ce qu'il va pouvoir prendre la redirect? Oh, le 3-0! Lulu et Jackie qui connectent ici. Incroyable. Là. Il aurait pu faire un solo play, hein, mais il a vu son collègue au loin. Il l'a vu, il a dit: t'es là, mon grand, et ben vas-y, je te récompense. Effectivement, 2 et 3-0 pour cette équipe orange. Ouais, ça va être très compliqué. Là, les Terquer sont dans une situation qu'on n'avait pas encore vu dans la compétition. Un match où ils se font autant dominer en termes de score. Mais tout à l'heure, en face au Coubertin, ils avaient 2 buts de retard et ils ont monté en moins d'une minute. Donc 3 en 3 minutes 40, c'est largement possible. Et surtout avec ce retour défensif de la part de cher Terence ici, Booker, qui va devoir la rejouer. C'est Jackie qui va pouvoir se dégager sur le côté. Il faut les agresser, il faut pas trop les laisser jouer, ces joueurs de Game Bar. Ouais, effectivement, parce qu'on sait de quoi ils sont capables, mon cher Prony. Si tu leur laisses un petit peu d'espace, un petit peu de temps. Avec Booker pour l'équipe adverse, justement. Avec une belle récupération, pardon, de la part de Terence. Lulu qui absorbe la pression, il sait qu'il a le temps, qu'il faut en prendre parti. On a déjà challenge, hein, du côté de l'équipe bleue, avec Booker à la récupération face à Jackie qui prend un peu futile la balle qui drop. Attention, heureusement qu'on n'aura pas grand danger du côté de cette équipe bleue, c'est bien récupéré du côté orange par Lulu et repris par Jackie. Tu vois, par exemple, par rapport à l'équipe de Coubertin tout à l'heure, c'est des équipes là qui n'hésitent absolument pas. Il n'y a pas de questionnement, c'est je peux la jouer, je la joue. Ouais, ça y va direct. C'est vraiment, ça agresse très très tôt et c'est bien parce que du coup ça empêche vraiment l'adversaire de créer du jeu plus facilement. Allez, on va tenter un setup là sur le côté. On a que 20 de boost, c'est très peu et on n'a pas de flic. En plus, c'est une balle en vue tout de suite dans la défense des oranges. Oh non, pas comme ça. Continue de caracoler en tête avec leurs 3 buts d'avance, leur double break qui va être très compliqué à remonter. Allez, Terence, tu vas tenter encore une fois. Il a l'espace, il le sait, il fake son adversaire, c'est bien joué. Le petit point de dribble qui aura tenté. Jackie
qui a loupé l'open, je crois, ah, malheureusement. Et oui, il loupe l'open, c'est poteau sortant. Oh, c'est poteau sortant, mais il a remis pour une deuxième touch. Cette fois-ci, mon cher Chrony, ce n'est pas un poteau sortant. Mais c'est bel et bien au fin fond des filets, ça fait 4-0. Oh. Cette équipe des Game Bar, mon cher Chrony, qui nous fait une leçon. Ah, Bulker, il s'est envolé. Hein. Bulker, il s'est envolé là-dessus, il s'est fait complètement fake. Très belle feinte. Ah, c'est terrible. Hein. 4 à 2, 2 minutes 30 encore à jouer. Et on se relance, c'est une belle tentative de kick-off, hein. Malheureusement, à l'entame de ce demi-temps de jeu. On l'aurait passé les 2 minutes 30. Pas de récupération de balle, on tente de prolonger, mais c'est toujours cette équipe de Game Bar qui gagne à l'agression. Ça va être compliqué. Allez, on garde le ballon du côté des bleus, mais il faut se remettre dedans parce que le BO peut aller très très vite aussi dans l'autre sens. La récupération du côté de Lulu, la passe en retrait, l'agression. Encore une fois, on ne laisse rien au hasard côté orange, on ne laisse pas jouer ses adversaires. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est bien, ils continuent de mettre la pression. Même si vous mettez la pression, c'est très bien, mais attention quand même. Parce que là, on a Zaki qui s'est complètement loupé. Et Terence qui va faire un crochet monumental comme vous n'avez jamais vu ça en boxe. Effectivement, 8 buts et 56 secondes restantes. On a enfin la première réponse pour Chaponi. Oh, le petit dribble entre les deux joueurs, franchement, fallait le tenter. Et 3 buts en 2 minutes, c'est largement possible. Hein. Oui. Ah, quoique, c'est but, je pense. Aïe, 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 aïe. Le caster Kers. Hein. Rien de choquant. Tout à l'heure, les Terkers ont pris 2 buts coup sur coup parce que leurs coéquipiers étaient trop près de eux au niveau du démarrage. Et là, bah, forcément, on joue avec un peu plus de retard. Et quand vraiment ça va dans le sens de l'adversaire, c'est pas de chance. On peut pas trop lutter contre. 4 buts de retard, ça me paraît très compliqué. Ouais, là, il va falloir commencer à prier. Les dieux du Rocket League, effectivement, pour cette équipe bleue. Avec Bulker pour cette même équipe là qui va démolir Lulu pour prendre son temps. C'est bien joué, on prend le gros boost, mais déjà challenge par Jaki. Et Terence qui a tenté pour la redirect sur son collègue, mais sans succès malheureusement. Attention à cette balle qui va dropper à l'entrée de la surface de réparation. On va devoir se contenter, je pense, hein, de passer à la game suivante du côté des bleus. Il faudrait qu'ils arrivent quand même à montrer qu'ils sont encore présents et encore en confiance en mettant ouais, un ou deux petits mental, buts. Là, hein. Ouais, ce serait bien pour eux et même pour les adversaires, hein, pour montrer qu'ils ne sont pas morts. Et la lucarne qui est parfaitement ciblée, mais quel save de la part de Bookler ici en squishy, en montant dans les cages directement. Allez, la bonne reprise. On va tenter de la rebalancer hein, devant, mais ça ne sera pas suffisant pour passer la défense orange. La bonne contre-attaque. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le sixième but? On gagne du temps, on temporise le ballon, mais belle défense de la part de Terence. Allez, Jaki, encore une fois face à Terence, c'est bien dégagé. On prend son temps là du côté bleu, on ne se jette pas. Lulu qui prend le gros boost, mais qui va se faire démolir malheureusement. Donc la balle qui va drop. Attention, c'est peut-être en faveur du côté orange. Pas en leur faveur malheureusement. C'était bien dégagé par Terence, mais Bulker, pardon, qui est déjà présent. Lulu, peut-être pour la double tape avec 0 de boost. Qui nous. C'est laissé tomber comme ça. Un moment de flottement. Bon, effectivement. Un petit nuage finalement. Hop, plus de boost. Allez, on va la chercher. Hein. Hop là. Nickel, très belle touch de la part de Lulu qui va chercher son sixième but là-dessus avec un peu de réussite. 50 secondes et ce sera donc un 2-1 dans ce BO qui se profile. Les Game Bar qui n'ont pas encore rendu les armes, mais en fait tu vois le problème c'est ça, c'est que comme on est sur un niveau de jeu qui est pas un niveau professionnel, hein, on est sur un niveau amateur, bah, on sait très bien que Game Bar peut très bien être là sur sa game référence et la game d'après complètement passer à côté de son match. Et bien sûr. C'est en ça que ça peut être plein de surprises finalement ce BO. Il reste 34 secondes à jouer et pour l'instant les joueurs orange qui montrent une grande domination et un bien meilleur visage que dans la game précédente. Allez, on temporise, on garde le contrôle de la balle, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Reprise de boost, on relève le ballon, allez, le setup est bon. Allez, on y va tout seul, le hard dribble, est-ce qu'il va chercher le challenge? C'est bien senti. Dommage, effectivement, bien arrêté par Bulker. Terence qui reprend l'arrêt de son collègue, aussi bien joué, le crochet. Non, loupe l'open. Mais heureusement qu'on a Bulker pour récupérer l'open loupé de son collègue qui a fait un travail monumental. Là, le crochet directement, le terrain de dessus, bien joué. Et Bulker, il a dit, bon allez, tes efforts ne vont pas être vains, ne t'en fais pas. On prend la lucarne et on continue, hein, 13 secondes de la fin, mon cher Prodi. Le petit crochet drift là, il fallait le tenter. Hein. Mécaniquement, c'est quand même très très clean. Et Terence, c'est un peu sa spécialité aussi. Hein. Ouais, les patterns, hein, ça revient à ce qu'on disait. Quelque chose qu'il maîtrise bien pendant tout le tournoi. C'est un des moves qu'il a le plus mis, justement, ce contrôle de balle là. Dégagement qui est un peu court là-dessus. Et cette équipe, Deterker, qui va laisser filer cette game sur un score sans appel de 6 à 2. Un match très one-sided finalement. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de game serré, on va dire ici. Ça a été très. Solo très facile pour cette équipe de Game Bar qui, on l'espère, n'est pas en game référence et vont être capables de réitérer l'exploit. Très grosse ligne de stats de Lulu, hein. 2 buts, 2, 3 passes décisives, 2 arrêts, triple double. En termes de ligne de stats, c'est très très impressionnant ce qu'ils viennent de nous proposer. Oui, là c'était clairement plus à sens unique. Hein. Ouais. Pour le coup, on va pas se mentir, l'équipe des Game Bar qui a fait un récital du Rocket League, on peut le dire. Mais tu vois, ce qui est aussi impressionnant, c'est 2 arrêts hein, seulement du côté de Lulu. Défensivement, son coéquipier est à 0, donc c'est clairement qu'on n'a pas pris la pression. Hein, ouais, on a des petites disparités après quand même. Non, même pas, c'est que juste il n'y a pas eu de tir en fait. Il n'y a pas eu de tir côté bleu, on était tout seul et
Forcément, c'était un petit peu compliqué. J'espère qu'on va pas devoir recréer la game. Voilà, petite danse des éclairs. Voilà, on rejoint pas. Ça devrait pas lancer la game. Les gens vont pouvoir nous rejoindre. Yes. Donc ouais. Non, franchement, une très belle finale. Très surpris du niveau de Game Bar. Je m'attendais à un niveau un peu moins serré, on va dire. Jackie qui doit pas rejoindre, s'il vous plaît. Merci. On attend. C'est bon, tout le monde est là. On va pouvoir relancer. Okay. Hop. Balle de match toujours, hein, du côté des Tarkers. Toujours. J'ai du mal là, honnêtement, au vu du match précédent, je sais pas quoi penser là. Je sais pas quoi penser de cette game là qui nous arrive dans ces 5 prochaines minutes. Je suis un peu pareil, hein. Je suis un peu dubitatif aussi parce qu'on a eu un tout autre visage, hein, qui était proposé là du côté de cette équipe orange des Game Bar, alors que Tarkers avait très bien commencé ce début de rencontre. C'est ça, ils avaient très bien entamé leur match et malheureusement ça n'avait pas enchaîné derrière, mais ça arrive. Hein. On peut passer à côté d'une game alors que là Terence qui essaye de porter la première offensive, la première estocade, mais pas de démolition récupérée là-dessus. La bonne démo côté orange et c'est c'est pas dedans. Oh, c'est terrible ce poteau sortant, il doit faire tellement mal. Mais oui, en plus tu commences la partie comme ça. Tu commences la partie en te faisant malheureusement une petite frayeur à toi-même. C'est un petit peu dommage avec Bulker qui a tenté de reprendre la passe de Terence. Il l'a vu. Oh, c'est terrible. Cette connexion qu'ils avaient, c'était la fibre qu'ils avaient sur le terrain. Malheureusement, c'était joueur bleu. Ce n'est pas passé, mais il était si bon. Toujours pas. Une fois, le point du côté de Lulu. S'il vous plaît, les mecs, le but, c'est de mettre la balle dans le trou. Alors, s'il vous plaît, jouez un peu au jeu. Ah, c'est dommage de rater deux poteaux coup sur coup. La frappe de Jake, encore une fois, la défense impériale de notre cher Terence là-dessus. Allez, est-ce qu'on va pouvoir se relancer? Terence peut-être, le bon dribble de la part de Jackie. Jackie qui va malheureusement la rendre et là, ça ne ratera pas le 4, j'ai l'impression. Ah, cette fois, c'est Bulker qui va aller le prendre, l'open là-dessus. Ah, c'est dur pour les Game Bar qui prennent deux poteaux coup sur coup. C'est compliqué, ça doit pas faire du bien. Mentalement, ça va pas être simple. Hein. Ouais, puis des deux côtés, hein, on fait beaucoup de poteaux. Beaucoup de open loupés, etc. Et là, ça y est, ça rentre enfin. Mais c'est très, très, très mitigé. Hein. Des deux côtés, là, on se cherche un petit peu dans ce début de match avec Jackie pour la connexion. Et c'est open. Et ça y va même tout droit. Ça y va tout seul. C'est un open. Comme ce ballon au fond des cages, finalement. Oui. pas de métaphore ici. Aïe. Le break qui est pris pour cette équipe de Tarkers qui, pour l'instant, mon cher Pony. On la balle de match définitive entre leurs mains. C'est ça, très très clean. Hein, ce score là, 2Z, ça déroule tranquillement, plutôt facile hein, là des Tarkers. Et on sent que. Oh, le troisième but. La save! Incroyable là-dessus, Lulu qui nous sauve l'espoir hein, pour cette équipe orange. La tentative de transition, on n'a pas de boost. Bulker, qu'est-ce que tu fais, frérot? Prends des pads, les lumières au sol, c'est pas pour faire atterrir des avions. Ah ouais, là, il s'est un peu posé au bar. Alors là, pour le coup, effectivement, c'est un peu dommage. Fiu. Et ça profite à Jackie. Hein. Non, mais Bulker, il a été attiré par le boost. Ouais, c'est pas et après, il voit la balle, il se dit « Oh, merde !» Dommage, effectivement, la belle réponse des Game Bar, de voir si ça va revenir. Mais pour l'instant, ça me semble mal parti. Effectivement. Pour expliquer rapidement aux personnes qui découvrent Rocket League, incroyable, Lulu qui vient égaliser là-dessus. Exceptionnel, très très bonne frappe là-dessus. Très très propre, rien à dire là, très bon setup. On va jouer sur la transversale du terrain et on va chercher le but. C'est très très bien joué ici. Pour info, pour ceux qui découvrent un petit peu Rocket League hein, les voitures ont la capacité. Et donc les grosses lumières que vous voyez vraiment sur les extérieurs du terrain, elles donnent 100 d'un seul coup. Et toutes les petites lumières que vous voyez au sol, elles donnent 12 par 12. Et donc aucun joueur ne peut récupérer du boost sans passer par ces lumières là. Donc l'obligation est un petit peu de passer sur les pads, puisqu'il y en a beaucoup plus sur le terrain. Les gros boosts réapparaissent toutes les 10 secondes et les petits pads toutes les 4 secondes. Donc clairement, si vous avez l'habitude de prendre des pads, vous avez nettement plus de boost que vos adversaires. Et là, justement, on arrive à porter bien le danger. La tentative de passe, c'est tout droit, mais il a pas de vitesse. Il faut accélérer. Allez au bout. C'est tout droit. Au bout, mon petit. Tu peux y aller, c'est fait. Eh oui, monsieur. La belle réponse de l'équipe bleue. Et jusqu'à la fin, j'y ai cru. C'était long, cette traversée. Allez. Il est arrivé bel et bien, mon cher Poilly. Ah, c'était long. Hein. Oh, oui. Voilà. Là, il a fait la course de sa ville. Hein. Ah, j'ai le temps de fonder une famille le temps qu'il traverse le terrain. J'en voyais pas la fin. Non, franchement, c'était impressionnant parce que nous, en plus, d'un point de vue spectateur, mais imagine lui d'un point de vue joueur. Allez, est-ce qu'on peut prendre la frappe du côté de Terence? Très belle défense, là, encore une fois, du côté de cette équipe des Game Bar qui n'ont plus. Allez. Encore une fois, qu'un but de retard. Et là, on joue safe côté bleu, on a raison. On essaie de mettre en place la douane hein, de Bulker. Allez, la défense qui va devoir être impériale de son côté, la passe sur le backboard, on va pouvoir se dégager, c'est peut-être un peu court, mais c'est bien repris. Allez, la contre-attaque qui va être enclenchée, malheureusement, on n'a pas eu le mid-boost, c'est Jackie qui va pouvoir le subtiliser à son vis-à-vis. On repart en aérienne là-dessus, le bon dégagement.
le contrôle frontière là, qui est enclenché côté bleu. La bonne récupération, on garde la pression sur le midfield. Est-ce qu'on va pouvoir la remettre en centre? On va pouvoir se dégager, mais pas de contre-attaque pour l'instant. Les Gembar qui sont choc-bar hein, par le niveau de leurs adversaires. La tentative de passe sur le backboard, ça maintient la pression. Le pub qui a trouvé, voilà l'égalisation. On vient se battre ici. On a pris des Gembar de fer pour venir se battre ici. Non, incroyable. Elle est pas bien, elle est pas bien. Non, on la garde pas la vanne, on la garde pas. Elle est vraiment pas ouf. Incroyable, effectivement, la belle réponse de cette équipe orange des Gembar qui colle le score, mon cher Poigny. C'est intéressant pour eux parce que s'ils arrivent à gagner cette partie, ils sont à égalité dans la rencontre. Ouais, mais et là, ils pourraient reset un peu mental. Mais tout à l'heure, le seul overtime qu'il y a eu, c'est les Bleus qui l'ont gagné. Malheureusement, Terence qui va rater son aérienne là-dessus. Où est-ce qu'on est en défense? C'est bon, on est là, mais on sait prendre de vitesse. Je sens qu'il y a un petit moment d'hésitation. Je pense qu'on va le voir. Je sais pas si on va pouvoir le voir, mais je pense qu'il y a eu un petit moment de freinage. Absolument pas. Aucune hésitation. Un avion qui est passé. Ah ouais, hein. Un missile. Ouais, c'est dommage. Après, le rush Cassio, pardon, était logique. Moi, j'aurais fait pareil à sa place. C'était vraiment la sauce. Il était très en retard hein, sur son timing, donc ça se comprend. Mais on va voir si cette équipe va réussir à conserver cet avantage avec le Wolverine. Peut-être, oh, très bien, cote, hein, par le côté bleu, c'était bien anticipé. Pas de chance. Qui va tenter, dommage, on va tenter de la remettre sur Lulu. C'est pas mal, mais Terence sera déjà. Ouais, très propre, la balle qui va dropper au niveau du rond central là-dessus. Allez, le contrôle de Allez. Boucleur peut-être, mais il pourra pas faire quelque chose, c'est malheureux. Oh non! Le contre son camp! Le but contre son camp, malheureusement! Mais pas comme ça, Zinedine! Pas après tout ce que t'as fait, mon cher Pronik, quel dommage! Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Y'a personne! Mais oui! Mais faut pas paniquer comme ça! Mais oui! Y'a personne sur le terrain, il était tout seul, moi! Non, mais il s'est fait peur tout seul! Non, mais bon move de Bulker, très très bien joué en tout cas! Non, rien à dire, mécaniquement c'est impressionnant! Hein. Mais la passe était belle en soi! Ah, franchement, très beau centre! Très très beau centre! Il s'est dit, je peux pas la laisser filer devant des cages sans marquer! Ouais, derrière. C'est ça, tu vois! C'est malheureux, mais imagine qu'à cause de cette égalisation là, ils perdent le match sur un overtime! Ce serait terrible! Ce serait terrible, alors que Jackie, justement, fait un très très bon travail de sap là au niveau du milieu de terrain, on va pouvoir partir dans les airs! Le bon dégagement de la part de Lulu! Ça se bat bien, hein. Honnêtement, ça se bat très très bien côté des deux côtés. Attention, la relance, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est? On avait vu Lulu, oui. Vous savez qu'il était là. Il attendait en embuscade. Il était déjà prêt à attaquer justement sa cible ici. Comme un buzard. Il est venu comme ça, hop, il a chopé sa target. C'est ça. Puis ce qui est dommage, c'est qu'on veut dégager la balle, mais en passant devant son but. Et toi-même, tu le sais, hein. Trop risqué. Toi-même, tu le sais que c'est risqué. Effectivement, l'idée est bonne. Voilà, je prends la balle, je garde la possession, c'est bien. Mais on passe devant le but. Et effectivement, on sait que devant le but, ben, toujours un ennemi qui s'y profile. Et ça paye pour cette équipe orange. Ouais, là, on doit se relancer. On a toujours un but de retard du côté des Terquers. On voit les chances de victoire de ce tournoi s'amenuire, quoique. Le bon power clear, c'est tout droit. Est-ce qu'on peut prolonger? Malheureusement, ça va être remis sur le côté. C'est une très belle défense qui a été proposée. Malheureusement, on tire sur son coéquipier. Quel jetage à la poubelle de cette game pour l'instant du côté des bleus. C'est compliqué là ce qui est en train de se passer. On est late un petit peu sur le challenge. Ce sera l'avantage de Lulu. Il nous reste 43 secondes, mon cher Onu. Et cette équipe orange qui va peut-être pouvoir prendre le break. La contre-attaque qui va être enclenchée. Allez, ça va être repris là du côté de Bulker. Oh. Il a tenté le petit pitch mais sans succès malheureusement. La belle démolition de Terence sur Lulu. On va prendre son temps là du côté bleu avant de se faire chahuter par son propre collègue. Lulu qui va aller au challenge. C'est très bien joué de sa part. Mais la petite boost qui va tenter de prendre le boost mais on s'est fait starve. Il va dégager du côté orange et Bulka sera déjà là pour le Wolverine peut-être. Non, pas très conclu, malheureusement c'est dommage. Mais on continue de mettre une belle pression du côté bleu. Ah, il nous reste 15 secondes à jouer. Pour l'instant on part en game 5. Ça va être une game décisive qui se dessine devant nous ici entre les Terquers et les Gembar. Les Gembar qui vont réussir à remonter malgré le point de retard. Est-ce qu'on va peut-être avoir une opportunité d'égalisation? Malheureusement on n'a pas de ressources du côté des joueurs bleus. On arrive à la temporiser sur le côté. Allez, on peut peut-être faire quelque chose. C'est mis au sol. Ah là, ça plaque hein. Finito. Ça plaque la balle hein. Finito. Il a bien raison parce qu'effectivement les amis, si la balle reste en l'air, la partie continue. Voilà, la partie continue. Donc là, c'est très bien joué de sa part. Ça l'arrangeait pas de continuer la partie parce qu'il y avait la victoire entre ses mains. Et il a bien eu raison, hein, très intelligent. Il est resté sur le mur pour être très patient par rapport à la balle. Et bah, ça paye tout simplement. On part bel et bien en game 5. Donc là, c'est très simple. Celui qui gagne la partie est le grand gagnant. C'est ça, exactement. Mérité hein, du côté de Gembar, honnêtement. Oui. Qui après 2, 3, 4, 8 poteaux. Arrive enfin à trouver la solution. 5-4 quand même, un beaucoup de buts encaissés. Pas forcément ce qu'il y a de plus agréable hein, quand vous êtes en défense quand même, de prendre 4 buts pour gagner un match. C'est que on doit aller chercher un peu à l'arracher. On n'arrive pas à verrouiller la défense. C'est clair. Donc il y a quand même de la place. La frappe oh, le poteau, mais c'est absolument pas cadré. Lulu qui est venu vraiment s'éclater dans le poteau hein. Comme l'impression de déjà vu effectivement avec Bulker face à son vis-à-vis. Ça se récupère tranquillement par Terence. Le petit dribble en turbo légende. Ouais, c'est pas mal mais on aurait dit qu'il avait un peu dégagé de lui-même, c'est un petit peu dommage. En tout cas, on met déjà une belle pression du côté bleu. Ouais, allez, Terence, le contrôle. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher son petit
son petit dribble ici, mais non, on va tout de suite l'empêcher de jouer. La bonne récupération, est-ce que ça va dropper devant les cages? C'est dans la surface de réparation, mais c'est tranquillement contrôlé du côté de Lulu. Sur le 1v1 face à Terence, c'est un open net encore une fois de disponible, mais c'est raté. On a encore c'est une dinguerie, merci. Ah, quand même, ça va. C'est bon. Ça va. C'est bon aussi, il faut marquer les buts. Hein. Ça va, la balle arrive. Ah, non, elle arrive pas très vite, j'ai rien dit. Ah, là, le tir. Elle arrive vraiment pas très vite là. Là, il a hint un peu. Mais on assure ce but. 1-0. Et oui. Et encore une fois, cette équipe de Gembar qui entame très très bien son match. Tout à l'heure, c'est eux qui avaient subi un but hein, malgré deux poteaux. Oh, le pinch qui part pas du tout, malheureusement. Le pinch, pour faire très très simple, c'est quand vous pincez la balle contre une surface, un mur, le sol. C'est tout simplement quelque chose qui permet de donner énormément de vitesse au ballon et de l'envoyer très très loin en général. La bonne reprise là, du côté de Lulu. On va contrôler, on fixe un petit peu la défense. Voilà, on n'a pas de boost, donc on essaie de trouver un challenge plutôt intéressant. Allez, on va se battre avec Jackie. Oh, la bonne mise de vitesse, ça va revenir dans l'axe. Le rebond est plutôt avantageux, mais ça va être dégagé du côté bleu. Allez, ça revient là dans le camp orange. Il prend son temps, il a bien raison. C'est dommage, ça va un petit peu rendre la balle là pour le coup à Terence, qui sera premier dessus. On va tenter la dégager du côté orange, c'est pas mal, désolé. Ah, t'inquiète. Bon, avec Boulogard qui continue, c'est pas mal. On va tenter de la remettre du côté de Terence, mais on loupe un petit peu le contrôle là pour le coup. La tentative de frappe immédiatement, c'est bien enclenché. Les deux joueurs qui ont sauté hein, là-dessus du côté bleu, on s'en a un petit peu paniqué. La bonne reprise de la part de Terence, il part avec le plafond directement. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher une frappe directe? Ce sera malheureusement trop long. Et c'est notre cher Jackie qui va pouvoir défendre là-dessus. Il a vu son coéquipier, mais il a pas de vitesse. Il peut pas malheureusement la reprendre. Il vient juste contrôler la subtilisation du ballon, le rebond. Oh, et joué, quel réflexe de Lulu là-dessus. Encore une fois, qui active son sens de l'araignée. La frappe qui est complètement manquée. La reprise de la part de Bulker qui n'arrivera pas à trouver le cadre. Et on peut se dégager du côté de Lulu malgré le fait qu'on n'ait pas de ressources. Mais oui. C'est compliqué. On va laisser Terence peut-être ce setup. On laisse Terence complètement setup. Oh dommage. Oh, on s'est pas compris. Ah, la passe, elle est pas téléphonée là. Là, elle est fibrée. 3000 mégas. Non mais c'est trop dingue. Non mais franchement, même Jackie s'est dit non, il faut de même. Ah là, c'est téléphoné. C'est trop. Mais puissance 10 000. Là, il lui a envoyé un coup de téléphone, un mail, 3 SMS pour être sûr qu'il l'ait vu, tu vois. Il l'a ajouté dans son agenda Google. C'est ça. 13h25, intercepter une balle. C'est attention, je fais la passe, attention. Effectivement, et ça profite pour cette équipe orange qui va démolir de côté de Jackie. C'est bien joué, mais Terence a déjà pour l'arrêt. Jackie qui a rentré encore une fois la passe pour son collectif. Bien joué. Est-ce qu'on va trouver le cadre? Oui, de la part de Jackie. Quel travail monstrueux, mon cher produit de cette équipe orange. Ah, c'est une masterclass, hein, vraiment. Il n'y a même pas de débat. On vient mettre sur le backboard. Derrière, on rejoue à deux pour mettre en difficulté le dernier défenseur. On vient forcer le travail. Non, il n'y a rien à dire. Jackie. Qui ne vole pas le but de son coéquipier, hein. Clairement, il vient peaufiner et terminer le travail, il n'y a rien à dire. Cette équipe des Gembar qui, après une grande surprise finalement, nous montre qu'il faisait bien partie des favoris. Tentative de passe, c'est bien trouvé. Voilà, là, celle-là, elle n'est pas téléphonée, celle-là, elle est intelligente. Voilà, celle-là, elle est surprise. Parce que là, on est vraiment focalisé sur Bulker parce qu'il a du boost. Donc forcément, on regarde que lui. Et là, hop, Terence qui vient complètement couper la trajectoire de ce ballon. Très très bien négocié ici, on n'est plus qu'à deux buts de retard à l'approche du demi-temps de jeu. Ce match est loin d'être fini, messieurs dames. Et oui les amis, on a encore du temps pour cette équipe bleue de remonter. On peut vous crocher de la part de Bulker qui a envoyé son collègue à la boulangerie. Il va tenter de faire un petit solo play, malheureusement c'est dommage, c'était pas passé. Ça va être récupéré par Terence qui va prendre son temps tranquillement. Le contrôle est bon, le flic est bon et l'esquive à démolition en tout cas c'est bien récupéré par Bulker, mais un petit peu trop court malheureusement. Un tout petit peu d'hésitation malheureusement qui empêche un contrôle facile. Oh, la récupération de la balle, Terence qui va rater ici son petit le créneau de Jackie. Ah, c'est... Bah, il essaye de pas gêner son mate, hein, c'est bien. Hein. Ouais, la reprise de la part de Terence qui met de la pression, mais on n'a pas de boost hein, du côté de l'équipe bleue. On essaye de porter le danger. La balle qui est bien négociée dans la surface de réparation. La reprise, le lob, mais ça ne trompera pas le dernier défenseur ici, Lulu, qui ne se fera pas surprendre. Et cette équipe bleue qui reste à deux longueurs de retard alors qu'il ne reste plus que 2 minutes 120 secondes. Ça va aller très très vite, mon cher Onu. Ça va aller très vite avec ce bon long shot qui va peut-être être cadré, malheureusement non. C'est bien dégagé par Terence, celui qui est en train de faire la passe, mais on s'est pas compris. Là, on s'est pas compris également du côté bleu. Attention au double commit, mon cher Pony. Ah, je pense qu'ils essayent de faire des pinches, mais jouez simple, les amis. Oui. Vous pouvez le faire, vous l'avez déjà fait dans cette compétition. Il n'y a pas besoin de faire de la sorcellerie pour essayer de remonter cette game ici. Il faut jouer sérieusement et jouer. Rocket League dans son plus simple appareil. Allez, la récupération de la part de Terence. Voilà, ça c'est intelligent. Ça c'était une belle tentative de frappe. Ici on récupère du boost, on maintient la pression sur le côté avec une frappe au premier poteau. Ce sera dégagé par la défense orange. La contre-attaque qui va être enclenchée. Le bump qui est bien négocié. Ah, on aura le temps de se replacer. Voilà, Bulker qui est bien placé là avec une bonne reprise de pad. Il est trop avancé. Mais on n'arrivera pas en profiter. Allez, poteau, le non, on loupe le cadre. Ce but qui passera pas. Et les joueurs bleus, encore une fois, qui se font des poutous, des petits câlins. Et qui se percutent devant leur cage. Ça va être compliqué, mon cher Onu.
Ça va être compliqué effectivement les amis. 8 minutes restantes, ça y est, on entre dans la dernière minute du temps réglementaire avec Luc qui va tenter encore une fois et ça passe, je crois que ça passe, monsieur, effectivement, le magnifique travail de la part de Lulu, très intelligent, hein, de bump là, juste avant de se faire bump, qui va lober son adversaire et qui va creuser l'écart pour son équipe. Ouais, ça va être compliqué, les Terkers qui ont une minute pour faire l'impensable, l'inimaginable, marquer 3 buts ici, un but toutes les 19 secondes, ça me paraît extrêmement ambitieux. Attention à cette balle qui revient directement au héros orange et on garde le contrôle du ballon, on est intelligent du côté de cette équipe de Game Bar. On la met dans le corner, allez Terence qui contrôle, c'est bien ce qu'il est en train de faire, Terence on le sait, c'est son setup, allez. Il essaye de trouver le 1-2, malheureusement le crochet qui ne passera pas cette fois-ci, peut-être que la démolition aurait été la meilleure solution pour ouvrir les cages, et la double tap peut-être qu'il va être enclenché, mais ça n'est pas quasiment disponible, on va aller chercher la frappe, et aïe, c'est dedans, aïe, aïe, aïe. 2 buts, 1 but toutes les 15 secondes, c'est pas fini. Bien sûr, c'est pas fini les amis, en plus on le sait, hein. DC Rocket League, toi-même tu le sais mon cher Prony, ça peut aller très très vite effectivement. 31 secondes, 2 buts à mettre pour cette équipe des Terkers pour égaliser face à cette équipe des Game Bar. C'est pas impossible et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce 7ème kick-off. Ouais, 4 à 2, quoique là on a un bon kick-off. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On a peut-être un peu trop poussé ce ballon. On essaie de la mettre sur le backboard, on met de la bonne pression, on la frappe au deuxième poteau, malheureusement on a loupé. Complètement dévissé. Il nous reste 22 secondes à tenir. Le bon dégagement là-dessus, le petit bump, on va réussir à la récupérer du côté de Bulker. Est-ce qu'on va pouvoir la rejouer? La démolition était bien récupérée, malheureusement on n'a pas de backup offensif. Qu'est-ce que tu fais? T'es en parti en vacances, mon frérot Terence là-dessus. On n'a pas le temps, il nous reste 10 secondes pour espérer marquer. Allez, on cherche une transition peut-être, la balle sur le backboard, parce qu'on va chercher une frappe directement. La frappe qui est enclenchée, c'est pas dedans, c'est sauvé sur la ligne et c'est finito. Les Game Bar qui sont champions de ce Vertin Joystick édition 2024. Très très bien joué à eux. Bravo, bravo effectivement. Et à cette équipe des Game Bar, on peut les applaudir, vous avez bien raison. Bravo, bravo. Belle performance. Quelle finale, messieurs, on y a cru jusqu'au bout, hein. Moi, j'avais envie de crier, alors peut-être, hein, sur les 30 dernières secondes. J'ai voulu y croire. Bon, voilà, Game Bar qui revient de loin, mené 2-0 et qui finalement, fait la crêpe d'argent, comme on dit dans le milieu, revient. Et ça, c'est beau, justement, les joueurs qui ne vont pas tarder à nous rejoindre aussi dans quelques instants pour la remise des médailles. Et puis, quelques petites interviews aussi, hein. On va voir les 3 premières équipes, le top 3, le top 2 et puis le top 1. Juste après, ce sera Silver Geek. Alors, il y aura un petit temps de pause, hein, aussi, qu'on puisse tout installer la scène pour le challenge départemental Silver Geek. Ce sera jusqu'à 16h30, 17h. Juste après, il y aura du Tekken 8, il y aura du Smash Bros, il y aura du Retro Gaming et d'autres surprises. Et ça fera déjà un bel après-midi, ma foi, hein, placé sous le signe de l'e-sport avec plein de bons moments comme cette finale qui... Bon, j'ai encore un peu le cœur qui palpite. C'est ça les effets du jeu. Hein. Et moi, je suis un peu l'œil du chat. J'aime bien voir ce que les gens sur Twitch disent. Terker, ils étaient favoris dans le cœur des fans. Les fans étaient présents dans le chat. Jusqu'au bout, ils y ont cru, les fans. Hein. Vraiment, gros big up aux gens du chat qui ont cru jusqu'au bout. Bon, pour la prochaine. Ouais, bah après, ils n'ont pas démérité non plus, hein. Effectivement, non. Ils n'ont pas démérité non plus. Et c'est vrai, comme on le sait, Rocket League, ça peut aller très vite, hein. Comme on le voit, 5 minutes sans aucun temps mort. Tu peux effectivement être favori sur le papier. En plus, tu avais une manche d'avance, hein, ouais. Les Terkers. Et pourtant, effectivement, belle finale. Serré jusqu'au bout. Puis c'est ce qu'on disait un petit peu avec Prony. C'est qu'il y a aussi sûrement un peu la pression. T'arrives en finale, ils jouent quand même depuis quelques temps maintenant, sans vraiment s'arrêter, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça a un petit peu joué. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale? Moi, je pense aussi qu'il y a eu que Terker, c'est une des équipes les plus passives. En tout cas, dans cette game-là, c'est les games les plus passives qu'on ait vues de eux. Et dès que Game Bar, ils ont commencé à passer devant, on a senti que mentalement, il y avait eu un gap qui s'est créé. Il y a eu clairement une équipe qui était bien au-dessus de l'autre, qui était beaucoup plus agressive, qui avait moins peur, qui temporisait moins, qui prenait beaucoup plus l'agression. Et donc, du coup, c'est un peu dommage. Mais l'équipe de Terker, du coup, qui la laisse filer à Game Bar. Game Bar qui n'était pas grand favori. Hein. Du coup, on les avait déjà commentés dans les phases de poule, qui avaient montré une perf OK. C'était pas aussi flamboyant que ce qu'on a vu là. Et encore une fois, là, on est pas sur une équipe qui a été impressionnante mécaniquement. C'est juste qu'ils ont empêché leur adversaire de jouer le plus possible. Ils ont été plus agressifs, ils ont eu moins peur et ça a fait la différence. Bien sûr, ils ont mis une belle pression. Hein. Ils ont mis une belle pression et on les voyait des fois sous assistance respiratoire à leurs adversaires. Ah, c'était compliqué. Ça n'arrivait pas à dégager la balle, on n'arrivait vraiment pas à se défaire de ces situations tout simplement. Et comme quoi, on peut s'attendre à de belles surprises. Mais c'est quand même resté très serré. Hein. Franchement, j'avoue, personnellement, je vais être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ce que Game Bar. Clairement.
finissent sur un match, surtout un match très one-sided hein, sur la fin, ouais. Qui a été vraiment totalement en maîtrise du côté de Gambar. Donc on va pouvoir les recevoir, je pense que les joueurs sont là. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai juste perdu mon oreillette, faudra changer les piles à la pause. Voilà, je préviens la régie que je ne les entends plus, mais bon, au pire, ils me jettent des trucs. Ouais, on arrive à communiquer, il n'y a pas de souci, bien sûr. Alors, j'attends juste qu'on me confirme le nom de l'équipe arrivée numéro 3, que je puisse accueillir dans des bonnes conditions. Vous avez peut-être le nom. Ils sont Coubertin, c'est Coubertin eSport. Coubertin eSport, et bien parfait. Dans ce cas, je propose effectivement qu'on puisse les accueillir. L'équipe arrivée en troisième position de ce tournoi Rocket League Verdun Joystick Players. Un maximum de bruit pour l'équipe des Coubertin eSport. Je vais chercher un micro pour nos joueurs. Hop là. Ah. Allez, un micro pour vous. Bon, troisième place. Est-ce que c'est ce que vous espériez? Est-ce que vous espériez mieux? Comment vous vous avez senti sur ce tournoi? Ah ouais, mais n'hésite pas à le coller au niveau de ta bouche. Je pense qu'on espère toujours gagner une LAN quand on la commence, mais bon. On a perdu en overtime en une heure bracket. Je donne la balle à l'adversaire pour perdre la game. Voilà, toutes mes excuses à mon coéquipier qui a très très bien joué. Et sinon, voilà, on a quand même été une belle équipe, on est content de la troisième place. Humble, ça fait plaisir. Je trouve vraiment qu'on a fait une très bonne paire avec mon mate. Et certes, on n'a pas fait un top 2 ou un top 1. Mais de base, on n'était même pas préparé à cette LAN. Donc avec une performance pareille, franchement, on peut être fier. Eh ben bravo à vous, on peut les applaudir. Messieurs les casteurs, je sais pas si vous avez des questions pour cette équipe, sinon on peut passer... Ouais, moi c'était par rapport au problème de son. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. C'est la question, qu'est-ce qui t'est arrivé au problème de son tout à l'heure? T'avais beaucoup rebranché, etc. pendant les games et tout. Oui, alors... Tu te souviens? En gros, j'avais juste plus de batterie dans mon casque. Ah, du okay. coup, j'ai juste dû. Parce qu'on a vu, ça t'a libéré après. Il ouais, y, hein y a eu un changement ouais, drastique entre le moment où t'avais du son et le moment où t'en avais pas, quoi. C'est ça. Ouais, c'était ça sur une game à la fin. Ouais. Ça a tout cassé. Mais bah, c'est pas très grave. Ça, dommage. C'est les risques du métier, on va dire. Ah, bah ça, c'est les LAN, hein, comment dire. Et bravo aux adversaires qui ont été plus forts. Bravo, très humble, très humble. Très bien, donc objectif pour l'année prochaine, continuer de s'améliorer et penser à recharger son casque. Et l'année prochaine, on la gagne, hein, par contre. Très bien, oh, eh bien, le rendez-vous est pris. Merci, messieurs. On va vous laisser redescendre et on va donc accueillir l'équipe arrivée en deuxième position. Ils étaient pourtant favoris, vous les sentiez prêts. Ils ont remporté la première manche de cette finale, mais derrière, ils n'ont pas réussi à prendre le meilleur de leurs adversaires. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour l'équipe arrivée en deuxième position, l'équipe Tarker. Oh, wow, les flashs. Allez, je vous laisse mettre ces petites médailles, je vous donne le micro. Bon, je pense que nos casteurs ont plein de questions pour vous, mais moi je veux déjà savoir comment vous l'avez vécu cette finale, comment vous l'avez ressenti et qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant ces quatre matchs plutôt intenses. Alors déjà, on va revenir un peu avant la finale. Ça fait quelques semaines qu'on touche plus tôt au jeu, on pensait même pas arriver jusque là pour être honnête. Donc on est quoi qu'il arrive très fiers du parcours que nous avons fait. C'est sûr qu'il y aura des regrets à avoir en finale, mais bon, dans tous les cas... on pensait pas arriver là, donc vraiment aucun regret. Et en plus, c'était contre les amis Jacques et Lulu en finale, qu'on connaît très bien. Et donc voilà, c'était vraiment très très plaisant et aucun regret. Et bravo à eux. Bravo. Non, mais c'est beau. C'est le sport, c'est l'e-sport. C'est vrai. Bon, messieurs les casteurs, on l'a suivi cette finale. Je pense que vous avez des questions pour nos joueurs. Ah bah du coup non, parce que s'ils sont arrivés là par hasard, t'expliques quoi. Non, mais c'est vrai qu'en plus vous démarriez bien cette finale au début. Comment vous expliquez à la fin ce résultat? Alors déjà, peut-être qu'on a eu un petit manque de communication à un certain moment. Ça, je pense que ça peut jouer. Des mauvais placements aussi de ma part. Forcément, j'ai mes parts de responsabilité. Puis l'adversaire qui a su aussi élever son niveau au fur et à mesure. Ah, c'est vrai. Ouais. Des mauvaises décisions aussi, comprenez, comme le dit mon collègue. Ben bravo, c'est très très honnête. Ouais, c'est clair, c'est net, c'est assumé. Et une belle seconde position pour des joueurs qui n'ont pas touché au jeu depuis quelques temps. Franchement, bien joué à vous. C'est vrai, bravo pour votre deuxième place. Merci beaucoup. Bravo.
Merci, merci. On va donc pouvoir passer, eh bien, à nos grands gagnants. Ils ont eu peur, ils ont eu chaud dans cette grande finale, mais ils ont su garder la tête froide et revenir d'entre les morts. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour l'équipe gagnante de ce tournoi Rocket League, l'équipe des Game Bar. Déjà, je vais commencer par ce t-shirt Rocket League Verdun. T'es dans le thème, hein, là, voilà. Et Game Bar à côté, on est floqué. Vous êtes très bien assortis, c'est merveilleux. Déjà, bravo pour votre première place. Est-ce que c'est ce que vous espériez, c'est ce que vous visiez en vous inscrivant à cette LAN? Bah, en vrai, on s'est dit, ça fait 2 ans qu'on la gagne. On s'est dit, on va remettre notre titre en jeu. Et puis, bah, on s'est dit, on va pas la perdre, on va laisser pas notre place. C'est simple, hein, voilà. Oui, c'est au moins la motivation est honnête. Bon, messieurs les casteurs, est-ce que vous avez des questions pour nos joueurs? Moi, je me rappelle plus, mais vous avez fini combien en poule? On a fini premier des poules. Ah, my bad. C'est la poule où on n'a pas trop. Ouais, c'est la poule. Ouais, on vous a pas trop vu au cast. Pour ça, on était un peu surpris justement. Mais... Et vous aviez perdu en demi, du coup? Ouais, on a perdu en demi contre les troisièmes. Coubertin, ouais, ok. Et comment vous avez eu ce gap là de changement entre la demi et la grande finale? Bah, en vrai, quand on a fait les phases de poule, on a pas trop mal joué. Puis il y avait des petits problèmes, genre mon pote il est fatigué. Moi je suis à l'ouest un peu aussi en vrai. Ok. Et puis bah après, on a perdu nos games, on s'est un peu énervé mentalement. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la merde. Puis on a pété un plomb et on a réussi à jouer quoi. Bon bah c'est bien. Ouais, et justement, moi j'ai une petite question, c'est comment vous expliquez que vous avez su bien tenir lors de cette finale qui était quand même serrée jusqu'au coude à coude, jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui a fait votre force, vous pensez? Parce qu'on avait déjà en plus un point d'avance pour l'équipe d'en face. Bah déjà mon teammate il est trop fort, donc je me faisais un peu carré quoi. Ah c'est honnête. Ah, bah, ah oui, c'est clair. Honnête. Non mais en vrai, mentalement on s'est dit en vrai on peut le faire, on les a battus déjà en pôle, on s'est dit pourquoi on perdait encore en finale. D'accord. Mais c'est vrai qu'ils sont très bons et franchement c'était super serré. Ça fait plaisir de jouer contre eux parce que c'est nos potes et voilà. Ah ouais, vous connaissez en plus? Ah oui, il l'a dit tout à l'heure en fait. Non, masterclass. Ouais. Donc voilà quoi. Moi je veux juste faire une petite dédicace à notre coach Louis, je sais qu'il regarde le live, donc voilà, petite dédicace à lui. Et encore merci pour le cast, c'était super. Merci à vous. Eh ben bravo messieurs, on va faire remonter les équipes si elles sont encore là dans le coin pour une petite photo finish avec... Je ne sais pas si notre photographe officiel est dans le coin. Montez. Et puis, messieurs les casteurs, rejoignez nos joueurs pour la belle photo, bien sûr. C'est bon, allez. Moi, je ne vois rien. Là, je vois la lumière, mais je ne vois rien. Mais je la croise de loin. Tout va bien. Je vous laisse prendre place. Moi, je me décale un peu. Hop. Oh, mettez-vous. Vous montez debout sur les canapés. Vous trouverez une solution. Ou à côté, voilà. Et vous pouvez les applaudir, nos joueurs du tournoi Rocket League 2v2 de ce VJP 8e édition. Ça reviendra l'année prochaine remettre le titre en jeu, hein, je pense. Et peut-être reprendre le titre. Bravo, ça c'est beau. Ça c'est l'e-sport qu'on aime. Ça c'est magnifique. Hop. Bon, messieurs, on va vous laisser souffler un petit peu parce que vous y êtes depuis ce matin quand même. Ça va.